Moi, je suis un pur produit de l'enseignement agricole avec un bac STAE, un BTS dans les technologies végétales et une licence professionnelle en agriculture biologique, conseil et développement. Suite à ça, j'ai travaillé dans une station d'expérimentation fruitière, notamment sur la Mirabelle, puis à la Fredon, Lorraine, aussi sur l'arboriculture et quelques projets plus diversifiés. Un petit peu par hasard, je me suis retrouvée directrice de l'exploitation agricole du lycée par envie de changer, de mouvement. J'avais d'abord postulé pour être enseignante, en plus en production végétale. Et puis finalement, le poste de DEA se libérait et puis mon profil paraissait intéressant pour ce poste. Alors pour moi, le métier de DEA, c'est vraiment un métier passion. Ce que j'aime beaucoup, c'est la diversité des publics avec lesquels on échange. C'est des échanges constant, permanent, sur plein de sujets, toujours en évolution. Et puis à côté, c'est cette multitude de métiers qu'on fait quand on est DEA, parce qu'il y a du management, il y a de la technique, il y a du projet. Donc ça fait vraiment partie des choses qui me motivent au jour le jour sur ce métier.